Eh oui, c'est encore moi. Je tenais juste à vous préciser ce que vous allez voir a duré quasiment plus d'une heure et que je n'ai pas pu tout mettre. Et je tiens aussi à préciser que les personnes que vous allez voir sur scène ne sont pas là pour se faire moquer. Au contraire, c'était amusant, c'était cool. Et voilà, ne vous moquez pas des personnes que vous allez voir, s'il vous plaît. Moi-même, je me suis trouvé très ridicule en montant ça. Oui, j'étais très ridicule moi aussi. Hein. Bon, ça se verra, mais bon, soyez cool, ne vous moquez pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire et profitez bien. Ok, donc là on les a emmenés vers un état hypnotique, sur le lit qui se trouve en fait entre le rêve et la réalité. Ils se trouvent vraiment entre le rêve et la réalité, dans un état où ils nous entendent, ils sont conscients. Un état où ils nous entendent, ils ne dorment pas, même si on utilise le mot d'or en hypnose, les gens sont tout à fait conscients, ils nous entendent dans tout état. Ce qui va se passer pour tous les six, vous allez vous rendre compte que vous allez ouvrir les yeux. Que vous êtes au cinéma devant un film qui est très drôle. C'est le film le plus drôle que vous n'ayez jamais vu. Et vous allez vous rendre compte que dès l'instant, vous allez ouvrir les yeux, vous allez pouvoir profiter de ce film, vous installer confortablement. Allez-y maintenant, confortablement, installez-vous dans votre siège. Installez-vous confortablement dans ce siège. Vous allez pouvoir commencer à voir maintenant la musique du film qui commence. Vous allez pouvoir. Et toi, tu vois quoi? Je me dis c'est tout. Regardez, maintenant c'est un film d'horreur. Attention, regardez, le monstre s'approche de l'écran. Regardez, maître, il sort de l'écran maintenant.
et tout devient normal. La nouvelle, c'est bien de ce qui s'est passé. Quand tu ouvriras les yeux, c'est que tu ne sais plus du tout où tu es, ni qui tu es, tu ne sais pas ce que tu fais ici. Tu n'as plus aucune idée de l'endroit dans lequel tu es, ni avec qui tu es. Tu ne connais personne, tu ne sais plus qui tu es. Et simplement, tout le monde a trois ou pour ouvrir les yeux. Un, deux et trois, maintenant. Ça va, vous allez bien? Ça va? C'est quoi? Mais tu sais pas ce que tu fais ici? Non. Tu connais ton prénom? Non. Et le monsieur qui est là? Ça te parle? Coucou. C'est ton père? Merde, je me prends un coup de vieux encore. Non, je crois pas. Quentin, qui il est? Pourquoi il y a une princesse? Pourquoi il y a une princesse? Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle te le demande. Non mais qui fait? Mais est-ce que t'as une idée de qui est ce monsieur? Pardon, un hippie? Quel est ton prénom et qui es-tu par rapport à cette jeune fille? Kevin, je suis son petit ami. Il prête-toi ton petit copain. Je te présente à Ivy. Pardon papa. Ok, simplement, vous avez une grande inspiration totalement et juste dormir maintenant. Et maintenant, ce qui pourrait être drôle en fait, c'est qu'on pourrait les programmer pour un... Par exemple, à l'écoute d'un mot, c'est qu'ils soient totalement morts de rire à l'écoute d'un mot. Tiens, par exemple, dans le public, est-ce que quelqu'un pourrait un mot à me donner? Quelqu'un qui veut un mot qui vous vient à l'esprit? Wabajack. Ok, bon, prenons Wabajack. Oh, j'ai entendu jambon. Allez, on va prendre le mot jambon. En fait, ce qui va se passer pour vous maintenant, quand vous allez entendre le mot jambon, c'est que vous serez mort de rire, vous serez pris d'un sourire incontrôlable dès que vous allez entendre le mot jambon. Simplement, regardez, à partir de maintenant, public. Jambon, vous avez mangé quoi à midi, les gens? Du jambon. Un sandwich jambon beurre. Et simplement, regardez, dormez. Par contre, ce qui va se passer maintenant pour vous quand vous allez ouvrir les yeux, c'est qu'en fait, vous êtes des pirates. Vous étiez les pirates les plus craints de tous les océans. Par contre, il y a eu un petit souci, vous avez été pris dans la tempête, et votre bateau s'est craché contre des rochers. Du coup, maintenant, vous êtes dans votre embarcation. Vous êtes dans une petite embarcation en mer, vous devez ramer pour regagner le rivage. Vous êtes perdu au milieu de l'océan dans votre embarcation en bois. Au milieu de l'océan, vous devez ramer pour retrouver la terre ferme. À trois, ouvrez les yeux. Un, deux, trois, maintenant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, quoi? Est-ce qu'on est méchant avec eux ou pas? Oh oui! C'est que vous allez avoir l'impression d'être tout bon. Peggy 18. Qu'est-ce que tu fais là, à toi? Bah, je suis bien. T'es bien comme ça? Ok. Ah, mais c'est peut-être un peu plus drôle que le public soit à poil maintenant. Ok. Vous savez qu'ici, là, dans ma main, j'ai une bouteille d'eau magique. En fait, c'est que dès l'instant que vous touchez cette bouteille d'eau, vous repartez immédiatement en état d'hypnose. Tiens, prête. Bruh. Ok, maintenant ce qui va se passer pour tous ceux qui sont encore assis, pour tous ceux qui sont encore assis en fait, quand vous allez ouvrir les yeux, c'est que vous êtes à nouveau des enfants de 4 ans. Vous êtes à nouveau des enfants de 4 ans et vous êtes à l'école. Simplement pour toi qui veux toucher l'épaule, tu es la maîtresse d'une classe d'enfants de 4 ans et tu vas simplement pouvoir leur faire la leçon. À 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Tout ça? Mais après, tu... Et tout redevient normal pour vous maintenant. Vous avez le souvenir de tout ce qui s'est passé. Je fais quoi? Je sais pas. Mais tu fais horrible. C'est que vous serez devenu Chewbacca. Vous serez devenu Chewbacca de Star Wars. Vous parlez comme lui, vous agissez comme lui. Et à 3, vous pourrez ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Regardez là-bas, il y a un solo. Et maintenant, vous êtes Dark Vador. Oh oh.
Je suis pour la paix, moi. Ah, ça va, et lui, c'est Darcy Douce. Et tu vas lâcher cette chaise tout de suite, maintenant. Tu vas lâcher cette chaise. Et tout redevient normal, maintenant. Vous allez vous souvenir de tout. Pardon, la chaise. Ok, très bien. Ok, à 3. Simplement, vous allez pouvoir sortir de cet état. Avec le 1, c'est sentir une vague d'énergie maintenant monter en vous de plus en plus, de mieux en mieux. Avec le 2, cette vague d'énergie devient 2 fois plus forte. 3 fois plus, 4 fois plus puissante. Et avec le 3, vous sortez totalement de cet état, vous revenez à vous en parfaite énergie, en parfaite forme, et vous revenez complètement ouvrir les yeux 1, 2, 3, maintenant. Allez, je pense qu'on peut les applaudir quand même. C'est quand même très fort. Comment vous vous sentez alors, après ça? On va demander. Alors, comment on se sent? Bah, en fait, il y a différentes choses. Il y a déjà l'état dans lequel on est à ce moment-là, on vient de sortir de toute la séance. On est un peu chamboulé en même temps. Plein d'énergie, mais en même temps, fin fatigué, c'est un truc qui se passe en même temps. Moi, pour moi, et perso, c'est vachement compliqué à comprendre pour le cerveau d'être fatigué et en pleine forme en même temps. Ouais, en fait, c'est ça, on se réveille d'une sieste. C'est un peu ça. C'est un peu délire. Et sinon, l'état, quand on se réveille, donc quand on est pendant la séance, quand il nous dit par exemple tout devient normal, vous souvenez tout, en fait, ça fait comme un flash, comme si en fait on avait toujours été conscient. Alors que. Je sais pas, non. Et on se rend compte qu'on était on a vraiment eu l'air con en fait, et c'est super parce que du coup c'est génial par la conscience qu'on est capable de faire, et d'un autre côté on se dit mais quel enfoiré des fois. Qu'est-ce que je fais? Et ouais, des fois on se dit mais alors que consciemment on n'aurait jamais réagi comme ça, on n'aurait jamais sorti les trucs, et c'est incroyable de se rendre compte que ouais, en fait le cerveau et on va dire l'être en nous-mêmes, donc ce qu'on est consciemment, c'est totalement deux choses différentes, et c'est juste génial à bord quoi. Et moi j'ai une question, ça fait quoi d'être élu Miss du coaching? C'est dur la réalité. Je retourne. Bienvenue chez nous. Ouais, c'est dur la réalité. Ouais, c'est dur. Fier de soi. Hein. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. Merci beaucoup. J'ai juste une petite question, comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes des comédiens? La question, c'est en voyant le jeune homme avec la chemisette rouge, on a pu voir qu'il avait des tendances belliqueuses. Est-ce que ça révèle un instinct ou en tout cas un comportement qu'on tend à avoir et parfois peut-être qui est dissimulé ou naturel? C'est vrai que systématiquement, il était dans la confrontation. Donc, est-ce que c'est lié? En fait, pas du tout. C'est juste qu'il est rentré dans les pubs. Il est rentré dans le roleplay, dans le personnage, dans l'aventure que je lui donnais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est. C'est vraiment son imagination qui prend le dessus. Ok, très bien. Bah, maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Grâce à vous, j'ai plus de batterie. Oui, mais grâce à moi, t'as tout fini. Ouais. C'est cool. Bah merci. Hein. C'est salaud. Voilà, c'est...
et tout redevient normal. Tu te souviens de tout ce qui s'est passé? Je regarde les énormes. Allez, allez. Ah bon?